Donc bonjour, Eric Lucet, technicien Bovin Croissance à la Chambre d'agriculture de la Somme. Donc je suis sur une exploitation en race blonde d'Aquitaine. Je suis là pour réaliser le pointage au sevrage, autour du sevrage, donc sur des animaux d'âge entre 4 et 8 mois d'âge. Donc ça permet donc d'évaluer la morphologie des animaux sur un certain nombre de postes. Donc 19 postes sont évalués et sont notés. Donc, le premier poste que l'on va regarder, c'est le dessus d'épaule, la largeur du dos, l'arrondi de culotte, la largeur de la culotte et l'épaisseur du dessus, ce qu'on appelle la loyau. Ensuite, la profondeur de poitrine, la largeur de poitrine, la largeur au trochanter et la longueur de la culotte. Donc, ces notes-là vont nous permettre de déterminer les qualités musculaires de l'animal. Ensuite, on va regarder les longueurs. La longueur du dessus, donc entre la pointe de l'épaule et la pointe de la hanche. La longueur du bassin, donc entre la pointe de la hanche et les ischions. La largeur aux hanches. Et le développement, la hauteur au garrot. Ça va nous permettre de déterminer les qualités squelettiques de l'animal. Ensuite, on va regarder les aptitudes fonctionnelles. Donc c'est principalement la largeur du mufle, qu'on appelle la barre de coupe. Les aplombs avant, les aplombs arrière. Regardez si les animaux sont cagneux, panaires, long jointés ou éventuellement jarrets coudés. Toutes ces informations-là vont vous permettre d'évaluer les animaux sur des qualités ou des défauts. Et ces qualités et ces défauts seront mises en évidence et permettront après à l'éleveur de pouvoir corriger. La correction se fera par le biais des choix des reproducteurs, donc soit par l'intermédiaire de l'insémination artificielle ou par l'achat de taureaux pour la monte naturelle. Donc, lors de nos interventions, nous maintenons une distance avec les éleveurs. Pour ma part, les animaux sont mis en box. J'interviens dans les box sans la présence de l'éleveur. S'il y a besoin, nous pouvons mettre à la fois des masques et des gants, qui nous permet donc une sécurité absolue dans nos interventions. Donc, le service élevage à la chambre d'agriculture est toujours en activité, malgré le confinement. Nous intervenons à la demande des éleveurs dans les exploitations pour réaliser le pointage en ce qui me concerne. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition.